Le secteur démocratique et populaire se dit satisfait des manifestations qui se sont déroulées dans différentes régions du pays pour exiger le départ d'Ariel Henry et dire non à l'intervention de forces étrangères sur le sol national. Par ailleurs, le SDP dénonce les exactions des agents de la PNH. Selon un bilan, 3 arrestations ont été effectuées dans la ville de Jacmel et 5 autres dans la capitale. À Pétionville, un adolescent de 15 ans a été blessé par balle et plus de 10 personnes ont été blessées dans la ville d'Ekaï. Les précisions de l'ex-sénateur Nenel Kassi. International là, il y a une responsabilité pâle dans sa capacité dans le pays. Il a construit une insécurité. Il a quitté les amis dans le pays. Il a connu tout le monde qui bat les amis caché. Yo konn tout moun ki gen zam yo. Yo konn tout moun kap amé jeune garçon, jeune femme nan quartier populaire yo. Yo konnè yo. Et jodi a, lè ou fin amé yo. Y a fait kidnapping sou peuple la. Y a tué peuple la. Yo mette des zones de non droit. Yo gen nou la vie difficile. Yo vle pou nou rele vive occupation. Mais peuple intelligent, peuple haïtien qui sont peuple intelligent. Ala peuple intelligent monsieur. Malgré tout ça, au fait, peuple a paré les vives occupations. Et ça, va nous plus courage, il va nous plus force pour nous porter support par PNH. Pendant qu'on a demandé aux policiers pour respecter les droits de l'homme dans la manifestation, la Chine, la Russie, qui n'a pas trop habitude avec eux, et qui ne sont pas entrés dans division au niveau international. Là. Mais autant d'écrit, peuple. Yo dit vérité. Yo dit que le gouvernement qui l'a, li illégitime, li illégal. Yo dit que c'est chaos qui gagne là, ne yo pas qu'à diriger rien. Non, figui ministre affaires étrangères. Pas de pays qui était venu hier dans le Conseil de sécurité pour ne pas dire que c'est mauvaise foi, politicien nous. Ça veut dire, moun kap goumen pour pouvoir, s'il vous plaît, tendez la raison. On chita ensemble pour nous sortir pays dans sa lié là.